Aujourd'hui, je voulais vous parler du bras de fer qui oppose Tim Cook, le patron d'Apple, avec le FBI. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi j'en parle et pourquoi ça vous concerne. Intro. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, vous devriez vraiment suivre cette histoire parce que c'est extrêmement important. Je vous récapitule l'histoire, ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, Tim Cook a publié une lettre ouverte sur le site apple.com pour mettre en garde les gens et provoquer un débat public autour de la confidentialité des données. À la cause de ça, la tuerie de San Bernardino en Californie qui a fait 14 morts et 22 blessés en décembre 2015. Il s'agit d'une attaque terroriste orchestrée par l'État islamique. Sur le corps d'un des deux terroristes tués, on a trouvé un iPhone 5C et on a besoin d'informations sur ce qui s'est passé dans les 20 minutes de traque du terroriste. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet iPhone? Qui est-ce qu'il a contacté? Mais le problème, c'est que l'iPhone est bloqué par un mot de passe et le contenu est chiffré. Vous le savez, sur un iPhone bloqué, c'est impossible à débloquer et au bout d'un certain nombre de tentatives infructueuses, l'iPhone se bloque et tout son contenu est effacé automatiquement. C'est une mesure de sécurité qui est présente sur tous les iPhones et qui est totalement inviolable. Le seul moyen de la contourner serait que Apple, qui a créé le système d'exploitation de l'iPhone, crée une nouvelle version de ce système d'exploitation qui permette de contourner ce code. C'est précisément ce que le FBI demande à Apple. Il leur demande de créer un logiciel qu'ils appellent SIF, Software Image File, que seul Apple peut concevoir. Tim Cook appelle ça un backdoor ou une porte dérobée. Ce logiciel permettrait au FBI de faire une attaque par force brute, ça veut dire essayer des milliards de combinaisons de mots de passe sur l'iPhone sans mettre en péril le contenu qu'il y a dessus. Alors, dans un monde parfait, ça serait l'idéal puisque ça permettrait en effet de voir le contenu de cet iPhone. Le problème, c'est les conséquences qu'un tel logiciel pourrait avoir sur les utilisateurs d'iPhone et sur l'humanité. Tim Cook refuse en expliquant que dans de mauvaises mains, ce logiciel permettrait de déverrouiller n'importe quel iPhone. Ce serait comme une clé maître capable d'ouvrir des centaines de serrures. Le deuxième problème, c'est que d'autres pays moins soucieux de la démocratie pourraient profiter de cet exemple pour forcer Apple à faire la même chose chez eux, c'est-à-dire avoir un moyen de déverrouiller n'importe quel iPhone et de fouiller dans son contenu. Donc c'est un véritable bras de fer juridique qui a été lancé entre Apple, qui a été très vite soutenu par les autres entreprises technologiques, et le gouvernement américain. Ça va se traduire en justice et Apple peut perdre et être forcé de créer un tel outil. Alors pourquoi je parle de ça, en quoi ça me concerne? Déjà parce qu'il y a plein d'idées reçues qui courent là-dessus, il y a plein de journalistes qui font mal leur boulot, qui comprennent mal les choses et qui disent ensuite n'importe quoi, et ça m'énerve. Et la deuxième chose, c'est que évidemment c'est la liberté qui est mise en jeu, et je vais vous expliquer pourquoi la requête du FBI est en vérité contre-productive et liberticide. La première chose que je voulais vous expliquer, c'était ce marketing de la peur qu'utilise le FBI, pourquoi c'est si dangereux et comment s'en méfier. En gros, le FBI va mettre la sacro-sainte sécurité au centre de tout, et pour sa défense, ils vont dire que Apple c'est les grands méchants et qu'en gros ils soutiennent les violeurs et les tueurs en fermant l'accès à leur téléphone. Ce qui est évidemment un raccourci vraiment facile et totalement faux. C'est comme dire que les constructeurs de voitures sont responsables de tous les accidents. Apple n'est certainement pas responsable du terrorisme sous prétexte qu'ils font des iPhones sécurisés. Le marketing de la peur, c'est une stratégie d'influence qui est utilisée sur les gens incultes qui ne réfléchissent pas. Le concept est simple, on va trouver un bouc émissaire, on va essayer de simplifier une réalité compliquée et on va essayer de donner des arguments qui semblent évidents pour rallier des gens à notre cause. Si vous suivez un peu l'actualité américaine, vous allez voir que par exemple Donald Trump utilise énormément ce marketing de la peur pour communiquer, et d'ailleurs sur cette affaire il dit que Apple c'est le grand méchant. Évidemment en France vous avez le FN qui utilise aussi évidemment ce marketing de la peur en disant que les responsables de tous vos problèmes, le chômage, l'insécurité, le terrorisme, c'est l'immigration, et qu'en fermant les frontières de la France on va résoudre le problème comme par magie. Mon avis personnel, c'est que ces gens qui prônent l'intolérance et la fermeture créent encore plus de clivage, d'isolement, de radicalisation, et finalement ils nourrissent beaucoup plus ces idéologies terroristes qu'une entreprise comme Apple qui délivre plutôt des valeurs positives. Donc la première chose que je vais
pouvez vous dire, c'est méfiez-vous vraiment de ces arguments trop faciles, méfiez-vous du marketing de la peur, parce qu'il faut parfois chercher un petit peu plus loin que les évidences. On entre en fait dans un grand débat qui est la liberté versus la sécurité. On ne peut pas vivre dans un monde totalement sécurisé en ayant de la liberté, il faut faire un choix. C'est le grand problème des États-Unis, qui sont un pays qui prône depuis le début la liberté, mais qui ont de plus en plus de mesures liberticides. On voit avec cet exemple, pour une seule enquête, on met en danger la confidentialité et la vie privée de centaines de millions de personnes qui utilisent des iPhones. En plus, ces lois liberticides, elles sont inefficaces. Ça a été montré par exemple le Patriot Act. Alors encore un terme très marketing qui fait que on peut pas dire je suis contre le Patriot Act, mais en gros c'est la loi renseignement que les États-Unis ont mis en place après les attentats de 2001, qui ont permis d'arrêter absolument zéro terroriste, mais qui ont finalement seulement arrêté des gens pour blanchiment d'argent, fraude ou immigration illégale. La contrepartie, c'est qu'il y a des milliers d'Américains qui ont été mis sur écoute et que le FBI ou la NSA peuvent faire ce qu'ils veulent sans en parler à personne. Je vous invite à regarder la série House of Cards, qui est évidemment une fiction extrêmement romancée, mais qui montre sous pas mal d'aspects les dangers que peuvent avoir justement ces services de renseignement sur les libertés individuelles. Mais surtout, les lois liberticides, c'est une incohérence totale, parce qu'en faisant ça, on donne raison aux terroristes. Les terroristes, ils en veulent à nos valeurs. Et là, on sacrifie notre liberté, qui sont une de nos valeurs principales, donc on leur donne raison. Quelque part, ils ont gagné parce que c'est ce qu'ils veulent. Faut bien comprendre que si on réfléchit à long terme, les lois liberticides sont contre-productives. Moins de liberté, ça veut dire plus de peur, plus d'intolérance, plus de discrimination, plus de radicalisation, et donc on peut imaginer la suite. Pourquoi je fais cette vidéo? Simplement pour vous inviter à réfléchir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. L'idée, c'est de véritablement s'informer, regarder toutes les possibilités, tout ce qui entre en action avant de se forger son avis et de commencer à gueuler. Je vous invite à regarder de véritables articles créés par de véritables journalistes spécialisés qui comprennent leur sujet. Toutes les informations que je vous ai données en début de vidéo, je les ai lues dans un article de Mac Génération. Je vous invite vraiment à aller lire cet article. J'ai mis le lien en description qui va vous expliquer précisément et techniquement toute la complexité de ce problème. Évitez là-dessus de lire la presse généraliste qui souvent connaît mal ce sujet, qui comprend pas bien les questions de sécurité d'un point de vue technologique. Ils vont vous dire par exemple que Facebook et Google vendent votre vie privée, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Facebook ne vend pas vos données utilisateurs, mais va plutôt créer des profils qui seront utilisés ensuite par les annonceurs. Apple ne va pas s'amuser à vendre les données qui sont récoltées sur votre santé par votre Apple Watch, parce que c'est pas vraiment leur business model, c'est pas vraiment dans leur intérêt. Apple, ils vendent des produits et ils ont pas forcément intérêt à se mettre à dos la moitié de la population parce qu'ils ont vendu 3 données sur votre santé. Parfois il faut réfléchir, il faut faire preuve de logique et de cohérence. Pareil, on entend souvent beaucoup de conneries. Il y a des stars qui se sont fait voler des photos qui étaient présentes sur leur compte iCloud. Il y a des tas de journalistes français qui ont dit que Apple s'était fait pirater son cloud, ce qui est totalement faux. Simplement, ces célébrités utilisaient un mot de passe faible qui a été deviné par les hackers. Et l'immense majorité des piratages, c'est simplement les hackers qui devinent votre mot de passe. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale et c'est beaucoup plus facile de deviner votre mot de passe plutôt que de hacker le système. Donc, si vous ne faites pas confiance aux nouvelles technologies pour sauvegarder vos données, commencez déjà par avoir des mots de passe solides et différents pour tous les services que vous utilisez. Soyez cohérent avec votre discours. Donc, première chose, bien s'informer auprès de sources d'informations fiables. La deuxième chose, et là c'est vraiment important, se méfier du marketing de la peur. Ça marche avec les gens incultes, avec les gens qui réfléchissent pas. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous faites partie des gens qui réfléchissent, en tout cas j'espère, et vous savez que la vérité est toujours plus complexe que ce que le marketing de la peur essaie de vous faire croire. Enfin, si on creuse un peu, on s'aperçoit que ces lois liberticides sont très souvent contre-productives et sont souvent à l'origine des problèmes qu'elles essaient de résoudre. Et c'est vraiment dommage que des sociétés qui mettent en avant à ce point-là les valeurs de la liberté, comme la France ou les États-Unis, soient prêts à tout gâcher à cause d'un connard qui a fait une attaque terroriste sur leur territoire. La question du jour, c'est bien sûr, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que Tim Cook a raison ou que le FBI a raison? Vous pouvez répondre en cliquant sur la fiche qui apparaît ici directement dans la vidéo. Et bien sûr, je vous invite à argumenter en commentaire. Je voudrais conclure cette vidéo par un grand merci à Tim Cook qui, et c'est pas la première fois, prend des positions avec lesquelles je suis totalement d'accord et qui s'impose définitivement comme un homme courageux. Continuez à réfléchir, à vous former et restez libre.